Tu vas rater tes conneries, toi. Mais moi, j'entends différemment. Ne peut-on pas voir les choses autrement? Je souffre parce que je voudrais que tu aies confiance en toi. Et tu parles comme ça, tranquillement, tout va bien. C'est une chance. Doit-on se reproduire? Au nom du Père, du Fils, qui n'est pas saint d'esprit? Si tu arrives à joindre le cérébral avec ce que tu as dans le ventre, normalement, ton auditoire doit être conquis. Je suis la lumière de mes fantasmes. Tu vas trop vite. Quand tu fais un silence, c'est pour réattaquer avec intensité. Je vous demande de vous arrêter! De vous arrêter maintenant! Sans oublier la verve. Vous n'avez jamais rêvé de vivre et de tout plaquer pour un monde meilleur, ailleurs, le pays des merveilles. Aucune personnalité. C'est à moi que tu parles. Je suis la lumière de mes fantasmes. Ouais. Merci. Il y a eu dans chacun, chacune de ceux et celles qui ont parlé, une part d'orateur, une part de diseur, une part d'acteur. Rappelons que nous sommes dans une société démocratique, une société laïque. Elle définit ses lois, ses normes et ses valeurs. Sachant que ça finira inévitablement dans les larmes. Je prends un grand plaisir à sentir ces bribes d'émotion qu'ils ont laissé passer. Je voulais que l'émotion, tu vois, un truc qui sort du cœur. Je veux laisser une trace. Je veux qu'on m'écoute. Je pense à tout ce qui nous attend. À cet avenir plein d'espoir. Ça va être merveilleux, mon amour. Je t'aime, Alphonse. Le thème de l'amour a été vainqueur et puis c'est pas plus mal. Le texte, il est de nous toutes. On a vraiment partagé ça ensemble. C'est le plus important. Et moi aussi, je voulais. C'est la fin de l'essai et là, je touche.